Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des Dividendes. Aujourd'hui, on va aborder une question importante qui est pourquoi énormément de gens qui ont eu entre leurs mains des fortunes se retrouvent en fait fauchés un peu du jour au lendemain. Je pense notamment en fait à des sportifs de très haut niveau. Je pense à des acteurs de cinéma, je pense à des stars de la chanson, toutes ou même des personnes qui ont touché un héritage, toutes des personnes qui ont eu entre leurs mains en fait de grosses fortunes et qui ont fini totalement en fait endettées. En fait, la raison première de leur échec, c'est le manque d'éducation financière. En fait, l'éducation financière, c'est une des choses les plus importantes de votre vie et c'est une chose, un enseignement, un savoir, des connaissances que malheureusement trop de gens négligent. En fait, c'est la raison pourquoi moi j'ai créé cette chaîne, c'est que justement je pense que c'est quelque chose qui manque en fait dans le paysage YouTube français. Il y a très peu de chaînes en fin de compte qui parlent d'éducation financière, qui vulgarisent en fait ces questions. Et puis vous pourriez vous demander, mais en fait, quelle légitimité j'ai à parler de ces questions? En fait, moi je suis quelqu'un dans ma vie de tous les jours, j'ai un travail où je gère en fait des budgets en millions d'euros. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je ne souhaite pas mélanger en fait ma vie professionnelle de cette activité sur YouTube que je fais. Plus par loisir et par passion de ces questions. C'est un peu mon apport en fait que je fais à, on va dire, à la société de partager, de vulgariser, de partager enfin tout simplement mon savoir avec tout le monde, quoi. Parce que voilà, je pense que si on est venu sur Terre, on est venu aussi pour apporter quelque chose à la société. Et je me dis que ces vidéos, bien que pour certains d'entre vous, je parle de choses qui sont peut-être évidentes, pour d'autres personnes, ça peut être très important. Et la preuve pour moi que c'est vraiment très important, c'est que malgré que, en fin de compte, si vous écoutez, mais la plupart des vidéos de ma chaîne, c'est voilà, simplement une gestion voilà, de bon père de famille, c'est une gestion prudente, des investissements prudents. Donc c'est des conseils qu'on pourrait qualifier de sages. Mais on remarque qu'il y a énormément en fait, de gens qui sont endettés par manque d'éducation financière. Et donc ça va du citoyen lambda à des gens qui ont en fin de compte des travails avec des gros salaires. En fait, vous serez étonné le nombre de personnes, de cadres supérieurs, même de dirigeants d'entreprise, de médecins, d'ingénieurs, en fin de compte, qui ont un très gros salaire et qui sont endettés. Et ça va jusque justement à des sportifs de haut niveau qui gagnent des millions en fait durant leur carrière et par manque de connaissances fiscales au niveau des investissements finissent par perdre en fait tous leurs avoirs. Et ça arrive aussi beaucoup en fait avec les gagnants du loto. Donc on pourrait se dire non mais ces gens ils ont des dizaines de millions, comment ils peuvent finir fauchés? Et en fin de compte, si vous manquez d'éducation financière, si vous manquez des bases dans cette matière, c'est impossible en fin de compte de préserver une fortune. Parce que la plupart des gens quand ils se disent je vais gagner au loto, à quoi ils pensent? Ils pensent acheter une maison, acheter une voiture, acheter, si carrément les moyens le permettent, carrément un jet privé ou Dieu sait quoi, des maisons avec piscine, enfin vous voyez, c'est acheter, 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 acheter. Mais ils ne pensent pas à comment je vais faire en sorte que cet argent travaille pour moi et qu'en fin de compte, au lieu d'utiliser mon capital, de vivre de mon capital, de faire en sorte que mon capital me génère des revenus et que je vive des revenus de mon capital, ils vivent directement du capital. Et c'est ça qu'ils entament. Et en plus, ils oublient toute la fiscalité, ils pensent qu'il n'y a pas d'impôt. Et puis un jour, toc toc, le fisc toque à la porte et ils se font ramasser. Et souvent, ils n'ont plus de quoi, ne serait-ce que payer les impôts. Et c'est arrivé à des gens célèbres comme Michael Jackson. Vous voyez, qui a gagné des dizaines, des centaines de millions et qui, pour des raisons fiscales, à un moment, le fisc est venu justement toquer à sa porte, il s'est retrouvé endetté. C'est arrivé à Mike Tyson, c'est arrivé à 50 Cent. Enfin, vous voyez,
des gens très connus qui ont eu des fortunes immenses et qui ont fini pratiquement fauchés. Et pour moi, c'est hallucinant, alors qu'il leur suffirait d'un savoir qui est en fin de compte assez basique, assez simple. Et c'est pour ça vraiment voilà, que j'ai fait cette chaîne pour vulgariser ces questions, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnellement compliqué. C'est des petits principes de base, comme ce que je venais d'expliquer juste avant, le fait de placer son argent. Et là aussi, au niveau des investissements, il y a des bonnes choses à faire et des choses à ne pas faire. Et le problème, c'est que souvent, en fait, les gens, ils vont à ce que dit tout le monde. Ah, il faut investir dans la pierre. Et en fait, des conseils simples comme ça, tout seul, ne suffisent pas. Parce que beaucoup, ils sont tombés aussi sur des promoteurs véreux, des gens qui leur ont dit non, mais on va faire un super projet, on va investir, on va construire un immeuble, etc. Et puis en fin de compte, ils tombaient sur des escrocs qui leur promettaient des super placements. Vous voyez, comme justement, ils manquaient de savoir, ils ont fait confiance, soi-disant, à des professionnels, je mets ça vous voyez, entre guillemets. Qui en fin de compte étaient surtout des escrocs qui les ont plumés, ou des fois des gens qui se prétendent être des professionnels, des experts en placement, etc. Et en réalité, pour qui ça marche pas du tout. Et c'est d'ailleurs étonnant le nombre de banquiers, justement, on vous dit toujours, mais ah, le banquier, il sait gérer l'argent. Vous serez étonné de voir la situation patrimoniale en fait de ces gens-là. Souvent, eux-mêmes ne savent pas gérer leur propre argent et ils vous donnent des conseils de placement à vous. Donc, au lieu de faire confiance à une tierce partie, à des gens que vous ne connaissez pas pour gérer votre argent, apprenez à le gérer vous-même et en fait, vous serez plus dépendant des autres. Et au moins, vous prendrez des risques en connaissance de cause, en connaissant les risques que vous êtes en train de prendre, plutôt que de confier votre argent à un inconnu et puis en espérant que, au petit bonheur la chance, ce soit quelqu'un d'honnête qui va bien gérer votre argent. Donc vous voyez, je trouve que c'est quelque chose de trop important pour qu'on laisse ça aux mains de personnes qu'on ne connaît même pas. Donc ne négligez pas ces questions-là. Abonnez-vous à ma chaîne. Vraiment, vous allez voir que je vais faire beaucoup de vidéos sur ces questions. À chaque fois, à chaque vidéo, vous verrez qu'il y a toujours un petit truc, il y a toujours une petite information. Et dans toutes ces informations, il y aura forcément des choses qui vous seront utiles à vous, pour votre vie, dans votre vie dans tous les jours, pour votre futur. Vous voyez, faut vraiment acquérir cette éducation financière qui vous accompagnera toute votre vie et qui, un jour, je l'espère, vous pourrez aussi transmettre cette éducation financière-là à vos enfants. Et ça, par exemple, c'est une des choses qui est relevée en fait dans Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. En fait, le thème du livre, c'est comment les riches enseignent l'argent à leurs enfants et comment les pauvres enseignent l'argent à leurs enfants. Et vous allez voir que c'est pas du tout de la même façon que les deux. En fait, donc l'enfant pauvre et l'enfant riche est éduqué sur ces questions d'argent et d'éducation financière. Les riches transmettent cette éducation financière à leur enfant et souvent les gens qui viennent de familles moins aisées ne bénéficient pas de cette éducation financière. Alors vous avez toujours parmi voyez, les classes populaires des gens qui sont au-dessus du lot et qui vont être super bons pratiquement de manière intuitive, ils vont trouver ce qu'il faut faire. Mais la majorité reste malheureusement bloquée dans la pauvreté, souvent par manque de connaissances au niveau des investissements, au niveau de comment épargner, ne pas tomber dans les dettes. Et c'est pour ça que je fais vraiment ces vidéos de vulgarisation pour apporter ce savoir au plus grand nombre, en espérant que ça vous soit utile. Donc voilà, c'était une petite vidéo, mais qui a son importance. Et abonnez-vous pour avoir plus de contenu et pour justement pour acquérir petit à petit, vidéo après vidéo, cette éducation financière qui vous accompagnera toute votre vie. Je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses.